pense que le sens que je peux donner, c'est que c'est vraiment noble. Parce que quand on parle de développement, il faut comprendre, sans couleur politique, nous sommes en politique. Nous, nous sommes présents par rapport au développement que le district peut nous apporter demain. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la cérémonie d'installation officielle du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Quel sens donnez-vous à cette activité? Oui, bonjour. Monsieur Kouadio Kanga, chef du village de Sinaverso, tout pour l'étude de Brogo. Quel sens vous donnez à cette activité? Mais c'est une grande satisfaction parce que je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Et en nommant ces gouverneurs, je crois que c'est l'avancement du développement que souhaite le président de la République. Est-ce que vous avez un message spécifique? Oui, je souhaite bonne chance à ces gouverneurs-là et je leur dis de mener à bien leur mission pour que la population en bénéficie. Nous avons assisté à l'arrivée de Nana Kofi Konron 2. On va demander à tout un chacun de trouver place assise parce que le président du Sénat va faire son entrée maintenant afin que la cérémonie puisse commencer. Le problème de l'eau rapidement. Il faut fermer. Oui. On va demander aux autres de parler à la société de commencer à faire une visite. Pour commencer la cérémonie. Nous assistons maintenant à la cérémonie de compétition du président de l'enseignement technique de la fonction professionnelle et de l'apprentissage. Merci. Avec la commission de protocole du ministère à Madame le ministre de la République. Monsieur Jean-Louis Kouassi est demandé par M. Kofi Amani, président de la commission animation, pour les badges de la commission. Voilà. Jean-Louis est demandé par M. Kofi Amani pour les badges de la commission animation. Merci.
Nana, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter. Monsieur Touré Kinondia Benjamin, chef de village de Lugbonou, sous-préfecture de Katiola, région du Hambol. Quel sens donnez-vous à cette activité ce jour? Cette activité d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Tout ce qui touche au développement touche les populations, forcément. Donc on ne pouvait pas rester à l'écart. Donc cette investiture est d'une importance capitale. C'est-à-dire que nous espérons beaucoup du ministre, gouverneur, parce que c'est un acteur de développement. Pour nous, donc c'est à nous tous directement, nous la population. C'est pour cela que nous avons fait le déplacement très tôt ce matin de Katiola pour cette cohésion sociale. Alors, quel est le message de développement que vous pouvez donner à tous les acteurs dans la région du Gbeke et du Hambol? Nous attendons de beaucoup de choses. Hein. Nous avons les écoles, nous avons l'eau, nous avons les routes, nous avons la santé. Surtout actuellement, nous avons les problèmes de route. Surtout moi d'Amazon, je suis le dernier village entre les Satiklan et nous, et Katiola. Donc ma route est vraiment dégradée. Nous attendons surtout l'eau et les routes. Voilà, pour les acteurs de développement. Bonjour, je me nomme Cathy Touré, élève à EDEC Boaké, en première année d'RHCOM. Bon, ce matin, nous sommes présents ici pour participer à l'activité et soutenir aussi cette activité afin de promouvoir la jeunesse, quoi. Selon moi, Monsieur le ministre pourrait mettre plus d'avantages en notre faveur, c'est-à-dire mettre à notre profit des emplois, par exemple le site comme l'emploi jeune, développer plus de sites comme ça pour pouvoir nous aider, nous la jeunesse, à beaucoup entreprendre, à avoir le sens de l'entrepreneuriat. À toutes. Nous sommes à Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur l'esplanade du palais du carnaval de Gbeke, palais du carnaval de Boaké, pour la cérémonie officielle d'installation du ministre gouverneur de la région de Gbeke et du Hambol, le ministre Jean-Claude Kouassi.
Vous constatez avec moi que tout le monde est réuni, les associations, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les autorités locales, les autorités traditionnelles, toutes les couches sociales sont réunies pour prendre part à cette cérémonie, pour être un témoin privilégié de cette cérémonie. Nous vous demandons donc de suivre avec nous quelques temps forts de cette cérémonie à Bouaké. Ce que nous devons retenir, c'est que Bouaké a été une zone fortement touchée par les différentes crises qui ont émaillé la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet instant, tout ce qui concerne le développement concerne ces populations de la région de Gbeke, du Hambol, je dirais du nord de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, comme tout autre citoyen lambda. Donc pour les populations, pour les chefs traditionnels, pour les chefs de communauté, cette cérémonie revêt une importance capitale et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter, quelques temps forts de cette cérémonie, avec toutes les autorités réunies sur ce site, avec toutes les couches sociales, avec les associations, les organisations de la société civile et les ONG qui sont réunies ici. Merci de continuer de nous suivre sur ivoiretv.net. Vous savez, le ministre Jean-Claude Kouassi a une histoire. Il a été le président du Conseil général de Bouaké. Et après ça, il y a eu le Conseil régional de Gbeke. Aujourd'hui, M. Jean-Claude Kouassi, après plusieurs postes de ministre, il est aujourd'hui ministre gouverneur de la région du Gbeke, la région du Hambol. C'est-à-dire qu'il prend une part active dans le développement de ces régions, dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous espérons que vous allez nous suivre jusqu'à la fin de cette activité pour comprendre l'engouement des populations. Qu'est-ce que les populations attendent réellement du ministre Jean-Claude Kouassi? On suit toujours les à côté. Avec moi que la sécurité de cette activité est fortement assurée. Vous voyez ces macarons qui brillent sur les poitrines. Ce sont des sénateurs, des députés, des élus de la nation qui prennent part à cette importante activité, mesdames et messieurs. Bouaké accueille aujourd'hui une importante cérémonie et c'est une cérémonie qui réunit tous les acteurs de développement issus des quatre coins du pays. Ce n'est pas seulement les populations de Bouaké qui se retrouvent ici, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Vous allez voir des députés, des maires venant d'autres localités qui sont à cette importante cérémonie. Le ministre Sidi Touré, fils de la région. Cérémonie.
vous constatez, hein, le traditionnalisme qui se mue en modernisme. Je crois un morceau zaïrois dont les pas sont exécutés par ce masque. C'est formidable en Côte d'Ivoire. Vous savez, les masques ne parlent pas, sinon on lui aurait demandé qu'est-ce qu'il ressent en exerçant quelques pas de danse de ce morceau d'ailleurs. Robert Bach, DJ, que nous allons apporter ce soir, Robert Bach, s'il te plaît. Robert Bach, voilà, tout à l'heure. Pendant que Robert Bach, donc, laisse cette scène qui vient dans ce soir à l'instant, nous allons inviter pour sa prestation Elohim Chilo. Elohim Chilo. Elohim Chilo, ça sera tout à l'heure. Elohim Chilo, ça sera tout à l'heure. Un mouvement nous laisse comprendre que les choses sérieuses vont démarrer dans un instant. Je vais parler donc de l'accueil des officiels de cette cérémonie. À cette importante mesdames, mademoiselles et messieurs, mesdames et messieurs, population nous allons de la vallée du Bois-Maman, notamment de la région du Bekè et de la région du Hambol. Je voudrais donc vous demander de prendre toute disposition pour que nous puissions réserver un accueil des plus triomphaux à nos officiels. Et vous avez vu déjà le mouvement des quatre de la vallée du Bandama. Ils sont nombreux venus ici et à l'entrée donc de la place du Carnaval. Là, j'aperçois le ministre Amédée Poicou. Les officiels de cette cérémonie. Je vais parler donc de la cérémonie d'installation officielle du ministre gouverneur du le district de la vallée. Le président du CNCI qui va certainement. Oui. Je suis Ouattara Kifourenza, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire de la région de Bekè. Nous sommes ce matin à la messe de tout le district de la vallée du Bandama pour l'installation du ministre gouverneur, M. Jean-Claude Kouassi. Voyez-vous que toute la jeunesse est mobilisée. Nous sommes très heureux et je pense que c'est un départ nouveau pour toute la population du district de la vallée du Bandama. Nous disons merci au chef de l'État, son Excellence Hassan Ouattara, pour ses actions de développement. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons reconstruire le district aussi du solide. Je vous remercie. Nous continuons donc d'accueillir les autorités qui font leur entrée sur ce place. Nous voulons faire noter également la présence de M. Ibrahim Diallo, maire de Diékanou. Monsieur Ibrahim Diallo, maire de Diékanou, qui fait son entrée. Vous constatez avec moi, comme je l'ai dit, que cette activité n'est pas seulement régionale, mais c'est une cérémonie d'envergure nationale. Parce que vous constatez que toutes ces autorités qui viennent de toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire viennent pour apporter leur soutien au ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi. Et c'est aussi leur appui au développement de la région de Bekè et du Hambol. Nous constatons l'arrivée de l'honorable Adama Bitogo qui est applaudi. Il est le ministre gouverneur du district du Massassandra. Voilà. Vous voyez des jeunes scandés, le diamant. Le moment solennel, nous arrivons, nous arrivons sur le plan d'arrivée. Oui. Président du Sénat. Oui. Le président du Sénat ivoirien. Patron de cette belle cérémonie. Oui. Le président. Le président. Constatez donc la jeunesse qui est fortement mobilisée par cette époque.
Bitobo. Également présent, le maire de la ville de Boaké, le vice-président de l'Assemblée nationale, présent à la place du carnaval à Boaké pour cette cérémonie d'installation officielle du premier ministre du Nord du district autonome de la vallée du Bonapé. Ouais. Allez, merci beaucoup. Au ministre Amadou Bitongo, voilà, nous sommes ici ce matin à cause de lui. Donc nous l'aimons être assis. On est prêt pour eux, nous sommes les enfants. On est prêt pour eux et on est prêt pour eux pour toujours. Il ne va nous laisser travailler. Dites à l'école, il ne va nous laisser travailler un peu. Oui, c'est vrai, nous les motos taxis, on a boqué ici. Et aussi, les ministres, on a dit à les ministres qu'ils n'ont qu'à dire à les corabiers, ils n'ont qu'à nous laisser travailler un peu. Car de la manière dont nous partons, ça ne nous plaît pas. C'est quelque chose comme ça. Merci donc, vous suivez avec moi cette forte mobilisation de la jeunesse. Et si vous venez d'entendre un des responsables de moto-taxi à Boaké, et le message qu'il donne de dire au ministre, de dire au corps de les laisser travailler tranquillement, c'est un message qu'il vient de donner. Mesdames et messieurs, on continue ici pour cette belle cérémonie. On vous revient donc dans un instant pour le dire à certains.